parle de mystère, il est important que les gens n'aient pas peur. Parce que le mot mystère veut dire simplement vérité cachée. Est-ce qu'on peut dire avec moi vérité cachée? Donc lorsqu'on parle de mystère du retard, on parle de vérité cachée derrière le retard. Et dans mon expérience, j'ai fait un constat, c'est que beaucoup de gens sont en retard. Les gens donnent leur vie à Jésus, les gens viennent à l'église, mais malgré tous leurs efforts, il y a un retard, il y a des blocages, il y a des limitations. Et souvent les gens arrivent à un point où ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Et pour se cacher derrière la religion, ils ont des phrases comme ceci. Les voies de Dieu sont insondables. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais quand vous voyez quelqu'un qui commence à parler ainsi, ça veut dire qu'il y a des vérités qu'il ne comprend pas. Donc il préfère laisser à Dieu le soin de comprendre et de faire ce qu'il veut. Mais lorsqu'on dit « tout ce que Dieu fait est bon », mais en réalité le problème c'est que tout ce qui t'arrive n'est pas de Dieu. Donc en disant « tout ce que Dieu fait est bon », tu te mets dans une position de passivité face à ce qui t'arrive. Voilà pourquoi il est important lorsqu'on est chrétien de ne pas juste se cacher derrière des phrases « tout ce que Dieu fait est bon », « les voies de Dieu sont insondables », mais de scruter la parole pour comprendre les voies de Dieu. La Bible dit « il a révélé ses œuvres aux enfants d'Israël et ses voies à Moïse. » Donc Dieu révèle ses voies. Et ce que nous allons voir sur ces deux dimanches vont bouleverser ton entendement. Mais l'objectif, c'est que Dieu te donne de la vitesse divine pour gagner ou pour rattraper tous les retards. Dis amen. Notre première lecture va se faire dans Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome 30, verset 19, qu'est-ce qui est dit? Vous connaissez, c'est un passage qui est commun. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » Est-ce qu'on peut dire ensemble « choisis la vie » ? « Afin que tu vives toi et ta postérité. » Voyez, c'est un verset qui est extraordinaire dans le sens où Dieu met l'homme face à ses responsabilités. Fais le choix de la vie. J'ai mis devant toi la vie, le bien, la mort et la malédiction. Mais je te conseille de choisir la vie. Ça veut dire Dieu révèle son incapacité en tant que Dieu de faire le choix à la place de l'homme. Mais l'homme a la responsabilité des choix qu'il fait. Parce que ce sont les choix d'un homme qui déterminent ce qu'il devient dans la vie. Donc le niveau que tu as aujourd'hui est le résultat de tes choix. Donc cela étant ainsi, quand quelque chose ne va pas, le premier responsable, c'est nous. Deuxième verset que nous allons voir, c'est Psaume 90, verset 12 à 14. Il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est très important la sagesse. On continue, il dit, reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Le mot ici, rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Dans une autre traduction, c'est écrit, rassasie-nous tôt le matin de ta bonté. Lorsqu'il dit, rassasie-nous tôt le matin de ta bonté, il parle de la satisfaction matinale. Ça veut dire qu'il y a des choses dans la vie, tu as besoin que Dieu te les envoie tôt le matin. Il dit quoi? Rassasie-nous tôt le matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Ça veut dire quoi? Quand un homme n'a pas ce qu'on appelle la satisfaction matinale, il va lui manquer la joie et l'allégresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il y a des bénédictions. Il faut que Dieu t'envoie ces bénédictions-là au moment où il le faut. Il ne faut pas que ces bénédictions viennent en retard parce que trop de gens sont retardés dans leur vie. Trop de gens reçoivent la bénédiction, mais au moment où ça ne sert plus à rien. Et donc ta prière, comme David, c'est « Seigneur, rassasie-moi tôt le matin ou apporte-moi la bénédiction matinale afin que mon âme soit dans la joie et l'allégresse. » Dites « Amen ». Parce que quand vous prenez quelqu'un, par exemple, qui a 40 ans, une jeune sœur, 40 ans, tu n'es pas mariée, tu es en retard. Quel que soit ce que tu peux dire,
C'est un retard. Tu as 50 ans. Tu n'as même pas encore une case que tu as pu construire. C'est un retard. Je vous le dis. Tu vois quelqu'un qui a 80 ans, son premier fils a 7 ans. C'est un retard. Tu vois une jeune sœur à 45 ans, c'est maintenant là son premier boulot. Tu es en retard. Que tu le veuilles ou pas, quelles que soient les théories, c'est un retard. Parce que je vais vous le dire, et ça, il faut m'écouter. Chaque vie que Dieu introduit sur terre, Dieu introduit cette vie-là avec une vitesse qui est constante et qui est destinée à atteindre un but donné. Ça veut dire quoi? Dieu prend la vie qui naît et Dieu propulse la vie dans la vie. C'est-à-dire, lance la vie comme une flèche. Mais la vie est destinée à atteindre un but, à frapper un objectif. Vous comprenez? Maintenant, sur le parcours, quand Dieu t'introduit dans la vie, tout peut ralentir ta course, tout peut dévier ta trajectoire. Exemple. Si je marche à une vitesse, disons de 2 km/h, c'est un exemple. Je suis censé atteindre le pilier qui est là, un exemple toujours, disons dans 10 minutes, ou bien disons en 5 secondes. Si je marche à une vitesse, en 5 secondes, je dois pouvoir atteindre ce pilier qui est mon objectif. Vous comprenez? Maintenant, quittant ici, entrant dans le monde, mon objectif ou l'objectif de ma vie qui donne gloire à Dieu et qui me glorifie, et qui glorifie Dieu et qui donne gloire à Dieu et qui accomplit ma destinée, c'est le pilier que vous voyez. J'entre, Dieu me donne ou me lance à une vitesse qui est une vitesse constante. Je suis censé, au bout de 5 secondes, atteindre le pilier. Mais le problème, c'est qu'il y a une chute. Donc, la nature a été corrompue. Donc, tout peut, pendant que je vais vers ma destinée, ralentir ma course, dévier ma trajectoire. Ma responsabilité, c'est de faire en sorte que ma course ne soit pas ralentie et ma trajectoire ne soit pas déviée par les choix que je vais faire. Vous me comprenez? Donc, si dans mon chemin, il y a un vent contraire, au lieu d'aller à la vitesse de 5 km/h, je peux aller à la vitesse de 3 km/h. Donc, je vais arriver en retard. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent amener un homme à atteindre l'objectif de sa vie, mais en retard. Le problème avec le retard, c'est que certains n'arrivent jamais. Donc, le retard est un mystère parce que plusieurs sont en retard, mais ne peuvent pas te dire avec exactitude pourquoi ils sont en retard. Ils font le constat que je ne suis pas là où je dois être. Je n'ai pas le niveau que je dois avoir. Je n'ai pas le statut social que je dois avoir. Dans son esprit, il a la pensée de l'éternité. Il sait que ce n'est pas sa place. Il sait que ce n'est pas sa position. Mais il n'a pas la position. Pourquoi? Il ne peut pas l'expliquer. C'est en cela qu'il y a un mystère dans le retard. Exemple. Alléluia. Je vais à un rendez-vous sur les Champs-Élysées, par exemple. Mon rendez-vous est à 10 heures. Je vais sur Internet, on me dit non, le périph' il est fluide. Donc, en 15 minutes, tu peux atteindre les Champs-Élysées pour ton rendez-vous. Je quitte ma maison, je prends le périph'. Et soudain, un accident. Le périph' est bloqué. Je suis retardé, donc j'arrive en retard. Mais ce retard-là est exogène, dans le sens où ça ne dépend pas de moi. J'ai fait ce que j'ai à faire. Mais malgré tout, quelqu'un a mal conduit et puis il y a eu un problème. Le temps que l'obstacle soit levé, celui qui doit me recevoir est parti. Ce n'est pas ma faute. Ou éventuellement, je conduisais et ma sortie doit être par exemple à la porte de Saint-Cloud. Et quelqu'un m'appelle au téléphone, le temps de parler ou je
un temps d'inattention et puis je rate ma sortie. Je suis obligé d'aller encore loin, rattraper la porte qui suit, revenir par le périph' intérieur et malheur à moi s'il y a de l'embouteillage. Je rate mon rendez-vous. Donc tout dans la vie peut empêcher quelqu'un d'arriver. Et le problème avec l'Église, c'est que les gens souvent ne prennent pas conscience que Dieu a fait tout pour un but. Je dis tout pour un but. Dites amen. Amen. Il y a à chaque étape de ta vie, il y a une position que Dieu veut que tu atteignes. Si cette position n'est pas atteinte, il y a un retard. Et quand on regarde l'Église, il y a trop de retard. Des gens qui devaient être mariés il y a 10 ans qui ne le sont pas aujourd'hui. Des gens qui devaient avoir un certain niveau social il y a 5 ans qui ne sont même pas encore à ce niveau aujourd'hui. Des gens qui devaient avoir un niveau de gloire que Dieu attend d'eux, qui n'ont pas ce niveau de gloire là et qui se contentent et puis qui disent les voies de Dieu sont insondables. Ne prenez pas la vie à la légère. Alléluia. Premier boulot, 50 ans. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose que tu dois avoir il y a 10 ans, depuis tu poursuis la chose. Il y a un problème quelque part. Et vous allez voir que la plupart des gens en Occident en général, lorsqu'ils viennent en Occident, c'est pourquoi? Surtout les Africains en général. C'est parce qu'ils ont constaté que là où ils vivent, il y a des problèmes. Donc, quand ils font le choix de venir en Europe ou en Occident en général, c'est pour rattraper le retard ou gagner leur vie ou réussir, entre guillemets, n'est-ce pas? Mais vous allez voir qu'ils viennent 20 ans après, 30 ans après, ils ne sont pas arrivés et ils ne peuvent plus retourner. Et le problème, c'est quoi? C'est que, ça dit, c'est subtil. Le temps de t'en rendre compte, tu as déjà fait 30 ans à Paris. Et les 30 ans en valeur ajoutée, tu ne gagnes rien du tout. Parce que, vous savez, le statu quo ne gêne pas Satan. Les gens disent, non, à Paris, on se soigne, on mange. Ce n'est pas ça ta destinée. Parce que les gars, tant que quoi? Tant qu'il est dans des petits boulots, tu vois, il est ici, il lave des assiettes dans un restaurant, il fait ça un peu ici, il fait ça un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. Le problème, c'est que tu n'arrives jamais. Et souvent, tu ne peux plus retourner. Parce que tu as juste ce qu'il te faut pour manger et payer tes taxes. Et donc, tout le monde croit au pays que tu es arrivé. Tu es le seul à savoir que tu n'es pas encore arrivé. Et ça, ça peut te prendre toute ta vie. Le retard. Et tu as 40 ans, 45 ans, le temps passe. Tu avais toujours projeté, quand je vais aller en Occident, en 2 ans, j'achète ma maison à Abidjan ou j'achète ma maison à Brazzaville. Mais depuis 10 ans, tu es toujours dans, j'achète ma maison à Abidjan, j'achète ma maison à Brazzaville. Ce matin, Dieu m'a envoyé pour que tous les retards, que Dieu te communique la vitesse divine pour rattraper tous tes retards au nom de Jésus. Parce que la volonté de Dieu, dans ces temps de la fin, c'est d'accélérer les destinées pour que ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre, que tu puisses l'accomplir. Dis amen. Alléluia. Il n'y a rien de plus frustrant que de savoir que voilà mon niveau et d'être à un autre niveau de sa vie. Voilà ce que je suis capable de faire et d'être en train de faire autre chose. Il n'y a rien de plus frustrant. Et j'ai dit, le problème avec le retard, c'est que certains n'arrivent jamais. Mais Dieu te fera la grâce au nom de Jésus. J'ai dit, Dieu te fera la grâce au nom de Jésus. Alléluia. David parle de satisfaction matinale. Il fait la prière pour dire, Seigneur, satisfais-moi tôt le matin. Que la bénédiction ne vienne pas en retard. Frères et sœurs,
Que sert-il à un homme d'avoir une voiture à 80 ans? Ça ne sert plus à rien. Ta première voiture neuve, c'est à 80 ans, tu l'as. Ça te sert à quoi? C'est la climatisation qui va te tuer. C'était mieux tôt. Dis, c'est maintenant, je veux la bénédiction. Non, non, sérieusement, dis avec conviction. Dis, c'est maintenant. Parce qu'il y a des choses, après, ça ne vaut plus rien. Que vaut une belle chaussure avec des pieds qui sont malades? Tu vas contempler la chaussure, c'est tout. Ça ne va plus te servir. Ou bien, il y a un trou ici, tu ne sais pas qu'il y a un trou. Tu tombes dans le trou. Maintenant, on t'envoie l'information que, ah, il y a un trou. Est-ce que l'information est utile? Il y a des informations qu'il te faut maintenant. Je dis, les informations qu'il te faut pour achever ta destinée ne viendront pas après ta chute. Dis amen. Dieu va te les envoyer tôt le matin. Dis avec moi, satisfaction matinale. Telle est ma portion. Au nom de Jésus. Tu n'es pas venu accompagner les gens sur la terre. Tu as quelque chose à faire et tu le feras dans le temps au nom de Jésus. Alléluia. Jésus a dit, je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour. Car la nuit vient, notion d'urgence. Faire les choses au moment où il faut les faire pour entrer dans le plan de Dieu pour sa vie. Voilà la volonté de Dieu pour son église dans ces temps de la fin. Mais Satan fait une chose, c'est que Satan sait qu'un homme qui est en retard est un homme qui est retardé. Quand on lit Ecclésias 3, versets 1 et 2, la Bible dit quoi dans Ecclésias 3, versets 1 et 2? Il dit, il y a un temps pour tout sous les cieux. Est-ce qu'on peut dire avec conviction, il y a un temps pour tout sous les cieux? Donc, la Bible dit simplement que tout est dans le temps. Verset 2, il dit, un temps pour naître et un temps pour mourir. Je m'arrête là. Ça dit, il balise la vie. Il dit, la vie est dans le temps. Dieu est hors du temps, mais il a mis les hommes dans le temps. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Ça veut dire simplement qu'il n'y a pas assez de temps pour perdre le temps. Parce que la vie est balisée. Il a donné à chaque, à ta naissance et à ta mort, il a mis des balises pour dire ces choses-là sont dans le temps. Et donc, il faut faire très attention. Et partant sur ce verset-là, les commentateurs bibliques ont divisé la vie de l'homme en trois grandes saisons majeures. Ça veut dire quoi? La première saison de la vie d'un être humain, c'est ce qu'on appelle la saison du matin, qui va de zéro, sa naissance, à 30 ans. La saison du matin dans la vie d'un homme, c'est la saison de l'établissement des fondements de la vie. Le problème, c'est que Satan a enlevé la sagesse à tous ceux qui sont dans cette tranche d'âge. Ils pensent qu'ils sont tout jeunes. Ils pensent qu'ils ont le temps pour eux. Or, quand on leur parle, ils n'ont même pas de conscience. Ils disent, ah, on est jeunes, laissez-nous vivre notre vie. On a le temps de faire ce qu'on a fait. Non, tu n'as pas le temps. Donc, entre 0 et 30 ans, c'est ce qu'on appelle la saison du matin. Un homme qui est entre 0 et 30 ans est dans sa saison du matin. Et dans cette saison, on bâtit les fondements de la vie. Dieu te donne cette saison-là pour établir ce qui va être le socle de ta vie. C'est là qu'on prend les bonnes décisions. C'est là qu'on doit s'appliquer à la sagesse. Mais malheureusement, c'est là où Satan gaspille les saisons. Parce que l'objectif du retard, c'est gaspiller vos saisons. Sachant qu'il y a un deadline. Alléluia. Passant les 30 ans de ta vie, tu entres dans la saison du midi. La saison du midi est une saison très importante dans le sens où c'est dans cette saison qu'on passe à la finition de ce qu'on a établi dans la saison du matin. Donc, la saison du midi, c'est la saison de la finition et de l'accomplissement de la vie. C'est-à-dire, en 30 ans et 60 ans, un homme s'accomplit. Il finit et il est accompli. Ce n'est pas dans la saison du midi qu'on commence à bâtir les fondements. Parce que si tu n'as pas pu le faire dans la saison du matin, que tu commences cela dans la saison du midi,
c'est quelque chose qui prend la place de quelque chose d'autre que tu devais faire. Parce que chaque saison a ses attentes et a ses caractéristiques. Voilà pourquoi Satan gaspille les saisons, sachant que plus les hommes manquent de sagesse, plus le temps est gaspillé. Et là où il doit bâtir, il s'amuse. Et là maintenant où il doit se reposer, il est obligé de commencer à bâtir. Donc vous allez voir qu'il y a des gens qui prennent conscience à 35 ans, 40 ans. Et donc là maintenant, ils veulent commencer à bâtir les fondements de leur vie. Ils sont déjà dans la saison du midi. Et la plupart d'entre vous ici, vous êtes dans la saison du midi, pour certains. Certains, tu approches la saison du soir. C'est la saison où on finit ce qu'on a bâti dans la saison du matin et on va à l'accomplissement. Dites amen. Amen. Normalement, une jeune sœur, je vous dis la vérité, tu es une jeune sœur, marie-toi avant la saison, avant la fin de la saison du matin. Tu es un parent, il faut veiller à ce que tes enfants se marient en sortant de la saison du matin. Parce que, regardez dans nos villages, quand les gens vont au champ, ils sortent à quelle heure? Tôt le matin, 6 heures. Mais pourquoi ils vont à 6 heures? C'est pour devancer l'aurore. Mais pourquoi ils veulent devancer l'aurore? Parce que dès que le soleil se lève, le soleil ralentit ta course et ta productivité. Donc, ils devancent le soleil pour ne pas que le soleil ralentisse leurs efforts. Quand un homme dépasse sa saison, le soleil se lève. Ce qu'il aurait pu faire plus facilement, il met plus d'efforts à le faire hors saison. Regardez, par exemple, vous allez voir dans une église, nous on est pasteurs, on reçoit les gens tout le temps. Mais il y a deux catégories de gens. Quand on reçoit des sœurs, elles viennent nous dire, pasteur, mais il n'y a pas d'hommes dans l'église, hein? Il n'y a pas trop d'hommes dans l'église. Ça, c'est une catégorie de femmes qui parlent ainsi. Et il y a une autre catégorie de femmes qui viennent nous voir ou de sœurs qui viennent nous voir. Pasteur, les hommes nous emmerdent, il y en a trop qui nous tournent autour de nous. Mais attends, je ne peux pas comprendre. Dans une même église, il n'y a pas d'hommes et il y a des hommes. Quel est le problème? Question de saison. Les sœurs qui trouvent qu'il n'y a pas assez d'hommes sont les saisons qui ont, les sœurs qui ont passé la saison. Et souvent, les sœurs qui vont te dire, ah, pasteur, les, on m'emmerde trop, tout le monde veut me... J'ai trois messieurs qui veulent me fiancer, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est les sœurs qui sont encore dans la saison. Parce que hors saison, les choses deviennent plus compliquées. Mais souvent, Satan enlève la sagesse et l'intelligence aux jeunes sœurs qui sont dans la saison du matin. Elles pensent qu'elles sont toutes belles, elles pensent qu'elles ont le temps pour elles, et donc elles s'amusent, et le temps de s'en rendre compte, elles entrent dans la saison du midi, le soleil s'est levé, et les choses deviennent plus compliquées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité de rachat du temps, c'est possible. Mais ça, c'est un autre type d'enseignement. Comment racheter le temps lorsqu'on est hors saison? Ce n'est pas mon message ce matin. Parce que Dieu est bon pour tout le monde. Dis amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, lorsque Dieu te met dans une saison, il faut avoir de l'intelligence pour maximiser. Certains gaspillent leur saison de midi et se retrouvent dans la saison du soir. Parce que la dernière saison, c'est la saison du soir. Et dans la saison du soir, c'est la saison du repos et de la manifestation. C'est dans cette saison-là où on se repose, où on manifeste la gloire de Dieu, ce que Dieu nous a créé pour être là, on est ça. C'est dans cette saison. Ce n'est pas dans la saison du soir qu'on commence à bâtir. Malheureusement, certains entrent dans leur saison du soir. Là où ils doivent se reposer, c'est là où ils commencent à prendre conscience et à bâtir leur vie, trop tard. Ce n'est pas à 60 ans que tu seras en train de payer l'école de tes enfants. Quand on a 60 ans, c'est les enfants qui s'occupent de nous. Ce n'est plus nous qui nous occupons des enfants. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, un homme de 80 ans qui a son premier fils à 7 ans, il y a eu un retard quelque part. À quel moment son fils va s'occuper de lui?
Satan donc cause les retards parce qu'il veut gaspiller les saisons. En gaspillant les saisons, il pousse les hommes à ne pas accomplir leur destinée. Parce que qu'importe ce que tu dis, vous savez, la gloire de Dieu, c'est quoi? Un homme manifeste la gloire de Dieu quand il est, à un instant T donné, en train de faire ce que Dieu l'a destiné à faire et en train d'être ce que Dieu l'a destiné à être. C'est tout. Tout le reste, a oublié ça. Parce que le mot gloire veut dire la vraie nature d'une chose. La gloire de l'oiseau, c'est quoi? C'est quand il vole. Sa nature est de voler. Donc quand il vole, il manifeste sa gloire. Ce qui est sa nature se révèle. Quand tu mets un poisson dans l'eau, il manifeste sa gloire. Ce qui est sa nature se révèle. Il fait des choses extraordinaires qu'en temps normal, l'éléphant est le plus fort. Tu mets un éléphant dans l'eau, il ne pourra pas faire. Donc un homme manifeste la gloire de Dieu quand cet homme est en train de faire ce que Dieu l'a destiné à faire. Donc, la gloire de Dieu n'a rien à voir avec la richesse. La richesse accompagne la gloire. Quelqu'un qui trouve son but, trouve la provision. Dis amen. Est-ce que c'est bon pour quelqu'un dans la salle? J'ai dit ce matin, Dieu t'accorde la vitesse divine au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons besoin de la satisfaction matinale à l'église. Nous avons trop perdu de temps. Alléluia. Et c'est en cela donc que le retard est mystérieux. Mais Jésus, qui est bon, va lever un coin de voile sur la notion de retard. Nous allons lire dans Marc 11, versets 1 à 9. Vous connaissez l'histoire, je vais le citer. On dit, lorsque Jésus approchait de Jérusalem, et qu'il fut près de Bethphagé et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. » On poursuit, il dit, « Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin et à l'instant, ils le laisseront venir ici. » Est-ce qu'on peut dire amen à sa parole? Amen. Ici, Jésus fait une révélation de taille. Vous savez que l'entrée de Jésus à Jérusalem a été prophétisée. Que le Messie viendrait et entrera à Jérusalem pour être crucifié. Et qu'il devait entrer sur un ânon. Et vous savez, donc sa venue a été prophétisée, son entrée à Jérusalem a été prophétisée, qu'il devait entrer sur un ânon. Maintenant, le temps arrive où la prophétie doit s'accomplir. Jésus arrive à la porte de Jérusalem, sur le point de faire son entrée à Jérusalem. N'oubliez pas que la prophétie, quand Dieu parle, il a la capacité de l'accomplir, n'est-ce pas? Jésus arrive, l'ânon qui est destiné à le faire entrer n'est pas là. Lui, il est à l'heure. Mais pour que la prophétie s'accomplisse, il faut que l'autre partie qui est destinée à l'aider à entrer soit également là. Mais il arrive, où est l'ânon? Il ne voit pas l'ânon. Mais Jésus est un prophète. Donc Jésus dit à ses disciples, entrez dans la ville, j'ai vu que l'ânon est attaché quelque part. Cet ânon s'est levé le matin. Il s'est fait tout beau pour aller à la rencontre de sa destinée. Parce qu'il est né où il est créé pour ça. Me faire entrer à Jérusalem. Jésus précise, un ânon sur qui personne n'est jamais monté. Ça veut dire, il est créé pour que moi seul, je monte sur lui. Donc, cet ânon avait une destinée. Quelle était sa destinée? Faire entrer Jésus seul à Jérusalem. S'il l'a fait, il a accompli la raison de sa création. Maintenant que Jésus est prêt à entrer,
l'anon qui est destiné à le faire entrer n'est pas à son poste. Et Jésus voit que cet anon s'est levé le matin et a pris le chemin pour venir à sa rencontre. Mais, quelqu'un l'a attaché. Quelqu'un l'a retardé. Donc, il ordonne aux disciples, entrez, détachez-moi cet anon. Si quelqu'un demande, ou si le propriétaire demande, dites, le maître en a besoin. Ce matin, je ne sais pas qui t'a retardé, mais je suis venu comme ses disciples pour te délier et te laisser aller. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Est-ce que tu peux dire amen avec conviction? Alléluia! Ils entrent dans la ville, ils trouvent l'anon attaché à un carrefour. Vous savez, les carrefours sont importants dans le sens où le carrefour est le symbole de la décision. Quand un homme est à un carrefour de sa vie, ça veut dire qu'il a des choix importants, des choix de destinée à faire. La Bible dit qu'il est attaché à un carrefour devant une porte. Le mot porte ici indique que l'anon avait une adresse, donc l'anon avait un propriétaire. Ce n'était pas un anon qui se baladait dans la ville sans propriétaire, il avait un propriétaire. Et il a précisé que si le propriétaire demande, dites le maître en a besoin. Donc Jésus nous fait une révélation de taille pour dire l'anon devait être là pour m'aider à entrer, mais quelqu'un l'a retardé. Je ne sais pas qui t'a retardé. Parce qu'à chaque étape de la destinée d'un homme, il y a ce que Dieu veut faire avec lui. Maintenant, si Dieu t'attend, aujourd'hui est le 31 juillet 2016. Le 31 juillet 2016, Dieu t'attend à un certain niveau pour te rencontrer, pour accomplir quelque chose. Maintenant, si Dieu vient dans ta vie, le niveau qu'il est censé te trouver, le 31 juillet 2016, si tu n'es pas à ce niveau, tu es en retard. Alléluia! Regarde, le Seigneur vient dans ta vie maintenant et il est censé te trouver aujourd'hui dans ta propre maison, avec tes propres enfants, avec un budget ou un salaire de 10 000 euros par mois. Et à partir de ce point-là, vous passez à la prochaine étape. Mais il arrive dans ta destinée, là, il rentre dans ta vie, là où tu es censé être, pour qu'il fasse ce qu'il est sur le point de faire. Les mois qui arrivent, il ne peut pas, parce que dans ton parcours, tu as eu un retard. Donc au lieu d'avoir 3 enfants, tu n'as pas encore l'enfant. Au lieu d'avoir le budget de 10 000 euros par mois, tu n'as pas encore le budget de 10 000 euros, tu as 500 euros, tu luttes. Donc ce qu'il veut faire avec toi, maintenant et les saisons à venir, il ne peut pas. Donc quelqu'un t'a retardé. Frère, les retards sont un mystère. Parce que les gens font simplement le constat que je ne suis pas à la place où je dois être. Mais ils ne savent pas pourquoi ils ne sont pas là. Et qu'est-ce qui fait que ça coince? Et ils réfléchissent, ils ne trouvent jamais la solution. Mais Jésus ici nous fait la révélation. Regardez ce qu'il dit. Il dit, si le propriétaire demande, en d'autres termes, ce n'est pas Satan qui a lié l'anon, c'est son propriétaire. L'anon voulait aller à la rencontre du maître, mais quelqu'un l'a attaché. Qui l'a attaché? Son propriétaire. Parce qu'en réalité, personne ne peut t'attacher si ce n'est ton propriétaire. C'est cette révélation-là qui m'a bouleversé et qui m'a permis de comprendre. Le problème avec l'Église, c'est que les gens ont du mal, quand on leur dit ces choses-là, à faire le lien, parce que papa est trop gentil, pépé est trop gentil. Mais je vous dis, ces gens-là ne sont pas aussi gentils que vous le croyez. Je vais te dire des choses, si tu acceptes, ça va te délivrer. Je vous donne un exemple. Je peux avoir un enfant. Qui est venu avec son enfant ici? Tu as une dame, tu es venu avec ton enfant. Venez, viens, il faut courir. Alléluia. Je vais vous faire voir quelque chose. C'est sérieux ce que nous sommes en train de faire. Hein? Parce que la vie est un mystère. Où est cette dame avec son joli bébé? Merci ma soeur. Vous voyez cette dame là, cette petite fille là, elle n'a pas idée de ce qui se passe. Elle ne sait rien du tout, elle est là, tout simplement. Maintenant,
Étendez vos mains ici. Ne fermez pas les yeux, mais étendez vos mains. Seigneur, je veux bénir cet enfant. Je veux oindre la vie de cet enfant. À partir d'aujourd'hui, que la destinée de cette fillette ne soit plus jamais la même. Partout elle ira, qu'elle gagne ses combats et qu'elle accomplisse sa destinée au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce que nous venons de faire, est-ce que dans 20 ans, elle va se souvenir? Est-ce que dans 20 ans, elle va se souvenir? Est-ce qu'elle va se souvenir dans 20 ans? Tiens. Mais sa mère peut se souvenir de ça? Mais est-ce que vous savez que ce qu'on vient de faire, cette dame va gagner des batailles? Cette petite fille que vous voyez là va avoir des choses qui vont se passer de façon extraordinaire dans sa vie, mais elle ne fera pas le lien avec ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui parce qu'elle ne peut même pas se rappeler. C'est sa destinée qui vient d'être balisée. Mais ma question, c'est parce que sa mère a décidé de l'envoyer ici. Mais maintenant, imaginez tout simplement, si sa mère avait décidé ce matin d'aller s'asseoir dans une loge maçonnique, si ce matin, au lieu de venir ici, elle était partie avec l'enfant dans une loge maçonnique ou bien voir un sorcier ou quoi que ce soit, et que les maçons ou bien quelqu'un qui est dans l'occultisme avait prié pour elle ou avait fait quelque chose, quelle aurait été sa destinée? Elle allait faire des luttes plus tard, mais elle n'allait jamais faire le lien parce qu'elle ne sait même pas avec ce qui s'est passé le jour où sa mère l'a envoyée là-bas. Mais gloire soit rendue à Dieu, elle est venue à l'église. Donc en fait, ce que je veux te demander, ma question c'est où on t'a envoyé? Pose la question à ton voisin, où on t'a envoyé? Tu ne peux pas avoir la réponse parce que tu ne sais pas. Non, tu ne sais pas. Merci, ma sœur. Le problème, c'est que où on t'a envoyé, tu ne peux pas répondre parce que tu ne sais pas. Cette dame, cette petite fille-là, dans 20 ans, 30 ans, si tu lui demandes où on t'a envoyé, elle ne peut pas te dire parce qu'elle ne saura pas. Elle va simplement te dire, ma vie marche, les choses sont simples. Les choses marchent. Je fais ça, ça marche. Je touche ça, ça marche. Dieu est bon, hein? C'est tout. Mais elle ne pourra pas faire le lien. Mais toi, les choses sont compliquées. C'est bloqué. Tu pries, tu jeûnes, tu payes ta dîme, tu fais tout. Limitation ici, limitation là, blocage là. Tu as l'impression, tu ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne trouves pas la réponse. La question, c'est où on t'a envoyé? Parce que je me rappelle, pas de tout, mais je me rappelle d'une chose. Un jour, j'étais avec mon père, il y a longtemps. J'étais un peu grand. Et il m'a dit, suis-moi. J'ai dit, on va où? Il dit, suis-moi. Il m'envoie dans un coin. Et puis, il sort un truc là, noir. Il dit, mange. J'ai dit, il dit, mange. J'ai mangé. C'était bizarre. Je sais que ce n'est pas clair. Mais j'ai mangé. Papa parlait, tu peux faire le contraire. Donc vous ne pouvez pas avoir idée de l'impact que les choix qu'ont fait nos pères ont eu comme influence sur nos vies. Jésus dit, celui qui a retardé l'annonce, c'est son propriétaire. Ce n'est personne d'autre. Le matin, il devait aller vers sa destinée. Le propriétaire a décidé de le lier. Tout simplement. Il y a des combats qu'on fait, on ne sait pas d'où ça vient. Regardez par exemple un autre exemple. Quand une femme est enceinte, qu'elle donne naissance, le choix qu'elle fait de dire, mon enfant va naître à l'hôpital Sainte-Marie de Courbevoie,
ou à l'hôpital Saint-Antoine de, d'Aubervilliers. C'est son choix, n'est-ce pas? Ok. Mais quand elle fait le choix d'aller dans, à Courbevoie pour, dans un hôpital pour accoucher, par exemple, quand elle pousse l'enfant, la première personnalité à recevoir l'enfant, ce n'est pas la mère, c'est le médecin accouchant ou la sage-femme. Ma question, et si c'est un sorcier? Parce qu'on n'oublie pas que le médecin accouchant reçoit l'enfant dans le sang. Et le sang a une valeur symbolique sur le plan spirituel. Deuxième chose, la première personne à toucher au sang de l'enfant, quand il coupe le cordon ombilical, ce n'est pas les parents, c'est le médecin accouchant qui reçoit les gouttes sur ses mains. Et si c'était un mystique? Juste un exemple. L'enfant là, qu'est-ce qui va lui arriver? Tu dis, oh Dieu le protège. Non, au départ, il fallait faire le choix qu'il fallait. Parce que pour tout ce qu'on fait, Dieu nous avertit. Mais nos parents ne connaissaient pas Dieu. Donc, ils faisaient les trucs comme ça, comme ils voulaient. Regardez, les hôpitaux sont remplis de quoi? Tous ceux qui naissent, les fœtus, ils ne rendent pas les fœtus. Ils gardent les fœtus. Les plus gros ravitaillements des hommes occultes se font dans les hôpitaux. C'est là qu'ils prennent les fœtus. C'est là qu'ils prennent le sang des nouveaux-nés, pour faire leur truc occulte. C'est là que les gens vendent beaucoup de choses que je ne peux pas dire ici. Les hôpitaux sont remplis de mystiques. Les médecins, ils ne font que ça parce que c'est là-bas qu'ils ont accès au sang, au fœtus et à toutes sortes de choses. Pour envoûter quelqu'un, on n'a pas besoin de danser, hein. Il te regarde et puis il peut t'envoûter. Où on t'a envoyé? Tu peux ne pas le savoir parce que tu n'as pas la réponse. Mais nos parents l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas la lumière que nous avons aujourd'hui. Mais ils l'ont fait de bonne foi. Qu'un parent va adorer un fétiche et puis il cite le nom, il dit tous ceux qui sont dans mes reins, il dit ah ma fille, t'entends, il cite ton nom là. Mais il le fait de bonne foi. Mais tout ce qui est fait en ton nom va t'influencer, que tu sois chrétien ou pas. Les gens citent les versets, ils ne comprennent pas. Jésus a parlé des opprimés, il a parlé de ceux qui sont captifs, des prisonniers. Aujourd'hui, tu es chrétien, tu n'es plus peut-être prisonnier, mais tu es opprimé. La plupart des chrétiens sont opprimés. On cite ton nom sur un autel démoniaque. Pourquoi Jésus a dit à Pierre, Satan t'a réclamé. Il aurait pu dire, oh, ne t'inquiète pas, tu marches avec moi, c'est suffisant. Je suis Jésus-Christ. Mais il dit, j'ai prié pour toi. Il a eu besoin de payer le prix pour ne pas que la réclamation sur la vie de Pierre marche. Alléluia! Gloire à Dieu! Donc nos parents l'ont fait dans l'ignorance. Peut-être que tu avais 2 ans, même pas 2 ans, 6 mois. Ta mère allait voir une amie. Tu étais juste avec ta mère parce que tu as 6 mois, tu peux faire quoi? Et l'amie a dit, ah, accompagne-moi ici. Et tu t'es retrouvé là-bas dans une réunion où c'est pas Dieu on adore là-bas, mais tu étais là. Et tout ce qu'ils vont faire dans la réunion, quelqu'un peut venir pour dire, ah, passe-moi ta fille. Mais c'est un sorcier du village. Peut-être ta mère ne sait pas. Elle dit, ah, voilà mon nouveau bébé. Mais tout ça dans l'ignorance. Le monsieur t'a pris et il a fait des incantations pendant que ta mère causait avec quelqu'un là. Il a fait des incantations. Il a dit, ah, tiens ton bébé. Et puis il est parti. Le vrai problème, c'est où on t'a envoyé? Parce que nos pères ne connaissaient pas Dieu. Et donc la plupart d'entre nous ici, qui sommes peut-être la 3e génération ou la 2e génération, la 1ère génération, ce sont des idolâtres. Et vous allez voir dimanche prochain, je vais vous expliquer quelque chose de très dangereux. Où Dieu a été catégorique. Et tout de suite, là, par exemple, quand on lit ici, on lit Juge 6, versets 1 à 6. Vous connaissez l'histoire de Juge? De Gédéon, juge sur Israël, qui avait une destinée de juge sur Israël. On dit, les enfants d'Israël furent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Israël était esclave de Madian. Madian, c'est un fils d'Abraham. Donc les Madianites sont des frères ou des cousins, ils sont, c'est des frères des Israélites, des Juifs. Mais
La Bible dit qu'ils ont fait ce qui déplaît à Dieu, mais ils ont fait quoi qui déplaît à Dieu? Quand vous lisez l'histoire, pour gagner du temps, le père de Gédéon était sacrificateur de quoi? De Baal. Et il a entraîné tout le peuple juif à adorer des dieux étrangers, Baal. Et le fait d'être allé adorer des dieux étrangers, Madian a eu la domination sur Israël et Israël ne s'en sortait plus. Lorsque leur récolte donnait, la Bible dit Madian, en accord avec des peuples païens, venait et dispersait les récoltes. Et Gédéon, qui avait été choisi par Dieu pour être quoi? Juge sur Israël, juge. Faisait quoi? Quand vous lisez, la Bible dit Gédéon battait le froment. Et son seul boulot qu'il faisait, c'est cacher la récolte pour ne pas que quand Madian arrive, il puisse voir la récolte et disperser la récolte. Comment quelqu'un qui est destiné à être juge peut être gardien de récolte maintenant? Ça veut dire qu'il y avait problème. Et quand vous lisez, vous continuez la lecture au verset 11-12, quand l'ange est venu voir Gédéon et que l'ange lui a annoncé que Gédéon, tu es un vaillant héros. Voilà ce que Dieu a fait avec ton peuple, le Dieu d'Israël. Gédéon dit, ah, il faut arrêter tes histoires. On est ici, on souffre. Rien ne va. On est sous domination des Madianites. Tout est mélangé et tu me dis, moi je suis vaillant héros. Mon village est le plus petit. Rien ne va dans ma maison. Tout est mélangé. L'ange dit, va avec la force que tu as. Mais cette question, plusieurs se posent. Je suis né de nouveau. Je fréquente les églises évangéliques. J'ai le nom de chrétien. On dit de moi tous les dimanches que je suis un tueur de géants. Que le Saint-Esprit est en moi. Mais quand je vois ce qui est dit à la chair et ce que j'expérimente au quotidien, mais le gap est trop grand. Dieu, tu es où? Je ne crois pas ce que tu es en train de me dire. Moi, tu es des géants. Là où je te parle, il y a un palu même qui me fatigue. Je n'ai même pas vaincu mon palu, c'est un géant, je vais vaincre. Je ne m'en sors pas, j'ai des factures. Donc Gédéon se plaignait pour dire non, je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord. Tout ce que tu dis, c'est beau, mais regarde ce que je vis. Et l'ange maintenant prend Gédéon pour dire, tu veux savoir pourquoi ça ne va pas? Viens. Et l'ange prend Gédéon et l'ange renvoie Gédéon où? Dans la maison de son père. Et il lui dit, regarde. Si ta situation doit changer, détruis les pieux sacrés et renverse l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Alléluia. Ma question, pourquoi Dieu n'a pas dit, je t'ai choisi pour être juge sur Israël? Tu es un vaillant héros. Je t'ai même dit ça. Oublie ça, confesse ça, va, ça ira. Mais Dieu lui dit, malgré mon choix, malgré le fait que tu sois déjà établi juge et c'est ta destinée, malgré que je sois venu même vers toi te rencontrer vis-à-vis, si tu veux t'en sortir, règle le problème d'abord. C'était suffisant. Parce que les gens confessent les versets. Si je suis en Christ, je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont de nouvelles. Pasteur, laisse ça. Maintenant, on est en Christ. Ces choses-là ne comptent plus. C'est ce que les parents font. Moi, je vais te dire une chose. La nouvelle naissance, si tu ne la comprends pas, voilà ce qu'elle représente. L'homme est tripartite, esprit, âme et corps. Tu es esprit, tu as une âme et tu habites dans un corps. Quand Jésus te sauve, l'entité qu'il sauve, c'est ton esprit qui est né de nouveau. Jésus dit, ce qui est né de l'esprit, grand E, Saint-Esprit, est petit E, esprit humain. Donc, c'est l'esprit humain qui est né de Dieu. Donc, quand l'esprit humain est né de Dieu, Dieu ne touche pas à l'âme et il ne touche pas au corps. Le problème, c'est que dans notre marche, alléluia, quand on a visité des sorciers, on a fait des consultations et qu'on nous a coupé 1, 2, 3, on a pris une poudre noire, on a craché dessus et on a mis ça en contact avec notre sang. La Bible dit dans Lévitique que l'âme de toute chair se trouve dans le sang. Donc, en réalité, ce que le sorcier vise en mettant la poudre noire en contact avec ton sang, c'est ton âme. Donc, les âmes sont envoûtées, certaines choses sont déposées au niveau des âmes. Maintenant, ton esprit est né de nouveau, mais Dieu ne touche pas à ton âme, il ne touche pas à ton esprit. Qui va régler le problème qui est dans ton âme? Voilà pourquoi, quand Jésus a ressuscité Lazare, il a dit, Lazare,
sors. C'est son initiative. Parce que la résurrection est l'initiative de Dieu. La nouvelle naissance est la résurrection. Donc la nouvelle naissance est l'initiative de Dieu. On vient à Jésus et on naît de nouveau. On donne sa vie à Jésus, nous sommes nés de nouveau. Maintenant, quand Lazare sort, il est né, il est ressuscité. Jésus dit maintenant, ce n'est plus ma responsabilité. Vous, déliez-le et laissez-le aller. Donc, tu nais de nouveau, c'est l'initiative de Dieu. Mais pour te délier et te laisser aller, c'est l'initiative des hommes. Alléluia! Parce qu'il aurait pu le délier. Il aurait pu dire, Lazare sort. Et quand Lazare sort, il est en même temps libre. Il n'y a plus de bande autour de lui. Mais pourquoi il a besoin encore de confier cette deuxième étape de sa vie à des hommes? Tu as une responsabilité. C'est parce que Jésus est mort. C'est parce qu'il est ressuscité. Et qu'il est l'autel par excellence qu'il a établi lui-même par sa vie que nous pouvons nous en sortir. Et en vous parlant, c'est pour vous dire qu'il y a de l'espoir. Parce que Jésus est mort, il est ressuscité. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Alléluia! Maintenant, je peux avoir ma corde. Regardez ici. On repart dans ce que nous avons dit. Viens. Jésus dit, déliez l'anon et laissez-le venir. C'est juste pour vous montrer un exemple. Il va m'attacher. Attache-moi rapidement. Je vais vous montrer quelque chose. Merci. Voilà. Tu restes, non, pas loin de moi. Tu attrapes juste le bout. Merci. L'anon s'est levé le matin. Et qui l'a attaché? Son propriétaire l'a attaché. Mais regardez ici, je suis attaché, n'est-ce pas? Mais est-ce que je ne peux pas marcher? Je peux marcher? Je peux avancer? Je vais là, c'est mon but. Le but que je vais atteindre. Mais j'avance là. J'avance jusqu'à ce que je sois proche du but. Et quand la corde s'étend, je ne peux plus avancer. Le problème de beaucoup, quand ils constatent qu'ils sont bloqués, ils ne peuvent plus avancer, ils disent, ah, André, on vient de me lier. Non, il y a longtemps, tu es lié. Vous voyez, il te donne du temps pour te faire croire que tu as du temps. Tout simplement. Donc, il y a des succès que tu as, des petits succès. Tu as peut-être même eu le visa, tu es venu en Europe. Tu as même peut-être acheté une maison. Oui, tout ça, c'est pour te montrer, te faire croire que, oh, il n'y a rien. Parce que Satan gagne lorsqu'on n'arrive pas à mettre le doigt sur lui. Donc, il fait ce jeu de camouflage. Donc, quand on a des petits succès, voilà, j'avance. Tu te demandes, j'ai dit, moi j'avance, hein. J'ai eu même mon visa, je suis à Paris. Ah non, j'ai acheté une deuxième maison, là j'avance là. Ah non, non, tout va bien, je suis marié. Non, 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 ça va. Mais là, la corde est en train de s'étendre. Quand je serai proche d'atteindre le point culminant de ce pourquoi Dieu m'a destiné, la corde s'étend. Je ne peux plus avancer. Et là, je pense que c'est maintenant qu'on m'a lié, mais alors qu'il y a longtemps, ils m'ont fait gagner du temps pour me maintenir dans l'ignorance. Alléluia. Jésus dit, déliez cet anneau et laissez-le partir. Ce matin, quel que soit ce qui t'a retardé, je me tiens dans mon office et je commande la liberté au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Parce que si ces choses ne sont pas réglées, si la connaissance ne vient pas, mon ami, tu auras de belles visions, tu auras tout. Tu vas voir, là, c'est ma place. Mais avec le temps, tu fais tout, mais tu vois la chose de loin, tu n'arrives pas à attraper. Est-ce la volonté de Dieu? Non. Tu arrives à un point où tu vas te contenter et tu vas faire avec. Tu vas dire, dans tous les cas, tout ce que Dieu fait est bon. Je viens vivre ma vie comme ça. Ce n'est pas grave dans tous les cas, dans tous les cas. Mais dans tous les cas, c'est quoi? C'est que tu vas entrer au ciel. Certes, tu as donné ton cœur à Jésus, tu as donné ta vie à Jésus. Mais la Bible dit, plusieurs, ça dit Jésus essuiera les larmes de leurs yeux. Ce verset-là,
Avant, je le lisais et puis je me demandais, mais attends, les gens sont entrés au ciel et puis ils pleurent. Normalement, c'est ceux qui sont en enfer qui doivent pleurer. On rentre au ciel, c'est pour danser. Mais on dit que beaucoup qui vont entrer au ciel vont pleurer. Pourquoi? Ils vont pleurer de regret. Parce qu'en réalité, ils sont entrés, mais ils n'ont pas réellement fait ce pourquoi Dieu les a destinés. Tu sais, c'est toujours amer de gagner quelque chose et de n'avoir, ou bien d'être frustré de ce que j'ai gagné, mais je n'ai pas pu donner le meilleur. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui gagne et puis il n'est pas content. Hein? Souvent, les gens font les trucs de le loto, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas bon à faire. Hein? C'est pour te donner une illustration. Et puis, on tourne la roue comme ça. Il y a 10 millions de dollars, tant, tant, tant. Et puis, il tourne. Il espère gagner les 20 millions. Et puis, il tombe sur 3 millions. Mais il a gagné quand même, non? Et puis, il est fâché. Parce qu'il aurait pu gagner les 20. En fait, pour vous dire simplement que la vie a mieux que ce que vous vivez maintenant. Je vous assure, ne vous contentez pas de rester là pour dire, oui, les voies de Dieu sont insondables. Oui, tout ce que Dieu fait est bon. Restez dans la religion. Dieu vous attend quelque part. L'anneau avait été destiné, sa destinée. Quand on dit, cet anneau a réussi là, c'est quand il a porté Jésus pour faire entrer Jésus à la Nouvelle Jérusalem. Il y a des choses à chaque étape de ta destinée. Dieu dira, mon fils a réussi quand tu seras à ce niveau-là, quand il t'attend là. Voilà pourquoi le contentement, oui, bon, on va faire avec, même si ce n'est pas bon, on va faire avec, même si ce n'est pas bon, on va faire avec. Non, on ne fait pas avec, Église. Alléluia. Il y a des sœurs qui se marient 20 ans après, 15 ans de vie commune, et puis il y a un divorce qui arrive de nulle part, et la sœur recommence à zéro sa vie. C'est-à-dire, quand tu la regardes là, c'est-à-dire, 20 ans de sa vie, 20 ans, ses saisons ont été comprimées. Et quand tu prends les 20 ans, en valeur ajoutée, il n'y a rien. Elle revient à zéro comme si elle n'avait jamais été mariée. Et les 20 ans, gaspillage. Comment elle va rattraper ça? Il faut extra grâce. Non, non, je vous le dis. Il faut extra grâce. Ne prenez pas ces choses pour jouer. Vous serez surpris. Oui, vous serez surpris. Il faut extra grâce. C'est pourquoi la Bible nous parle de la notion de racheter le temps. Le temps peut être racheté, mais comment on le rachète? C'est tout un enseignement qui est assez lourd. Qui est assez lourd. Parce que le temps peut se racheter. Nous disons que le temps passe, il n'attend personne. Mais quel mécanisme Dieu nous a donné, nous en tant que chrétiens, quand tu as perdu le temps, de rattraper le temps et de te repositionner là où tu devais être? Waouh! C'est possible. Dites amen. Est-ce que c'est bon pour quelqu'un dans cette salle? Alléluia. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Voilà pourquoi il ne faut pas gaspiller les saisons. Il faut faire confiance en Dieu. Il faut maximiser. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, je ne sais pas là où la vie t'a arrêté, mais je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. Tu es sur le point de changer de niveau au nom de Jésus. Vous savez, dans cette affaire-là, tu sais que tu n'es pas à ta place. Parce que le Saint-Esprit rend témoin à ton esprit que ce n'est pas là. Ou bien il y a quelqu'un qui est arrivé ici. Non. Tu es arrivé. Lève ta main si tu es arrivé, tout va bien pour toi. Dieu te convainc. Tu sais. Tu sais, je dis tu sais que tu n'es pas encore arrivé. Tu sais que là, ce n'est pas la bonne. Parce que tu sais, une position qui n'est pas la position de Dieu pour ta vie dans une saison donnée, t'enlève ta paix. Tu peux avoir un travail, mais ce n'est pas le boulot. Donc, tu le fais, mais tu sais que il n'y a pas de... C'est pas ça. La Bible dit le septième jour, Dieu se reposa. Le mot se reposer ici, Dieu est entré dans la satisfaction. Quand un homme entre dans la satisfaction, c'est ça on dit, il se repose. Sinon, on peut dormir et être troublé. Le repos n'est pas absence de mouvement. Le vrai repos, c'est quand on est dans le plan de Dieu pour sa vie. Je suis en train de faire ce que Dieu m'a appelé à faire. Je suis au bon moment, au bon endroit, en phase avec Dieu. Il n'y a pas plus grande paix que ça. Frère, donc les parents là, ils ne le savaient pas. Ils ont fait beaucoup de choses. Jésus dit, c'est le propriétaire.
Et souvent, on est tellement gentil. Mais ce n'est pas leur faute. Ils ont fait beaucoup de choses, ils ne le savaient pas. Mais ces choses-là, malheureusement, nous influencent. Des années plus tard, des alliances qu'ont tissées nos pères. Parce qu'on a lu plusieurs fois dans Lamentation 5, verset 7. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Lamentation 5, verset 7? Il dit, nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Mais c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Pourquoi? Moi, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi? Pardon, mettez-moi le verset pour ne pas qu'on dise, je raconte autre chose. Pour que tout le monde voit le verset. C'est un verset clair. Qui est choquant à la limite. Lamentation 5, 7. C'est un verset qui est choquant. La gloire de Dieu vient vers toi ce matin au nom de Jésus. Lisez ensemble. Nos pères ont péché. Et ils ne sont plus. Et c'est nous qui. Dis pourquoi. Mais pourquoi? Ils ont péché, ils sont morts. Et puis nous, on porte la peine de leurs iniquités. Pourquoi? Voilà la réalité des choses bibliques. Jésus dit, l'anon là, c'est son propriétaire qui l'a attaché. Dimanche prochain, je vais te montrer des choses qui vont t'étonner. Hein. Les gars que vous voyez là, ils ne sont pas aussi sains que ça. Souvent, ils sont assis dessus, ils savent. Ils savent. Ils savent. Quand ils sont dans le bois sacré, ils savent ce qu'ils disent. Ils ne te diront pas, mais ils savent. Je veux te montrer que nous sommes la somme de plusieurs choses. Hein. Je te fais la démonstration dimanche prochain. Et après cela, prends tes responsabilités parce que ta vie ne sera plus jamais la même. Est-ce que quelqu'un est prêt ce matin? Pour que Dieu accélère sa destinée, dis Amen. Dis Dieu accélère ma destinée au nom de Jésus. Dieu accélère ma destinée au nom de Jésus. Alléluia. Lève la main droite comme ça, dis mes enfants ne répéteront pas mon histoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ce matin, je vais m'arrêter là. On va continuer. Je vais te montrer dimanche prochain à quoi était attachée la corde qui liait l'anon. Et je vais t'expliquer certaines choses. Je prie Dieu. Qu'en comprenant ces vérités qui sont des vérités très profondes, qui ont changé ma vie. Je ne sais pas où Satan peut se cacher. Ils l'ont fait. Il y a longtemps, moi, je suis sorti. Il faut que tu t'en sortes totalement au nom de Jésus. Je dis bien totalement au nom de Jésus. Je veux te montrer par la Bible, verset après verset. Tu n'as pas de choix. Église, tu n'as pas de choix. Dieu te destine à la grandeur. Et tu vas voir qu'à chaque fois que Dieu appelle un homme à la grandeur, Dieu lui donne des avertissements. Il dit, Gédéon, si tu veux entrer dans ta destinée de juge, regarde. Je vais vous montrer pourquoi. Vous savez, quand Gédéon a détruit l'autel de Baal, l'autel qui est dans la maison de son père, il n'a pas touché à son père. Mais plus tard, ils ont rebâti l'autel. Parce que les sacrificateurs ne sont pas morts. Mais vous allez voir que quand Dieu voulait régler définitivement cette affaire d'autel de Baal, il est allé choisir quelqu'un d'autre. Et il a dit à Élie, il dit, quand tu détruis leur autel, qu'aucun ne vive, égorge-les tous. Il y a des choses. On ne détruit pas l'autel pour laisser le sacrificateur vivant. Je te dis des choses. Si quelqu'un, si tu aimes trop les gens, il ne faut pas prier avec moi dimanche. Non, parce que, y a, non, je te dis, Dieu dit, personne ne vit. On va prier le Seigneur, on se voit dimanche prochain. Lève-toi. On va prier le Seigneur. Je veux que tu parles à Dieu.